Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Quentin Rosiman. Salut Quentin. Alizé, comment ça va? Ça va bien. Bien, ça se passe bien, t'as bien mangé, tout ça, cool. Tout bien, merci. Bon. Alors, pour que tes fans puissent un peu se familiariser avec toi, on va d'abord te poser quelques questions en préambule. Donc, ton caractère se rapproche plutôt d'un ange ou d'un démon, et pourquoi? Oula, ah oui d'accord, on est parti sur un délire psychologique. Ange ou démon, non, je crois que je suis un ange. Je crois que je suis un ange dans la vie normale. Et je pense que dès que je suis derrière les platines, j'ai tendance à être plutôt un démon. Les patrons clubs en général ont un petit peu peur pour leur matériel. À la fin de la séance, ils disent toujours bon, alors, ok, on va vérifier. Quentin, t'as une bonne assurance, ouais, tout ça. Mais non, je crois que je suis un peu des deux, comme tout le monde. Comme toi un peu, parce qu'on discutait tout à l'heure. Enfin, non, je déconne. Ok, merci Quentin. Oui, voilà. Ton péché mignon, ce serait quoi? Mon péché mignon, sans hésiter, la gourmandise. Voilà, la gourmandise à 2000%, complètement. Si t'étais un super-héros, tu serais qui? Si j'étais un super-héros... bonne question. Est-ce que James Bond peut faire partie des super-héros tout ou pas? Fait. Ouais. Alors je serais James Bond parce qu'il sort toujours avec plein de filles différentes. Parce qu'à la limite, Spider-Man et Batman et tous les autres, il sort toujours avec une fille. T'as remarqué dans les films? C'est toujours genre une fille, un quel bisou d'amour et tout. Mais au final, non, moi je suis pour James Bond. Avant la Starac, écoute, j'ai fait des études. Et puis j'ai surtout commencé à mixer à l'âge de 12-13 ans pour des soirées privées, notamment sur la Côte d'Azur où j'ai commencé à mixer ici. Et puis après, j'ai fait des études aussi dans la musique. Et puis, j'ai fait la fameuse émission. Puis après, c'est allé très très vite. Tu veux savoir la suite aussi ou pas du tout? Non, juste avant la Starac. Par contre, tu m'as dit que tu avais trimé au conservatoire. Tu peux aussi nous parler? Alors, oui, ça c'est. Tous mes potes étaient du conservatoire. Il a fallu que je passe par là aussi un petit peu. Et c'est vrai que c'était pas facile. Et on en parlait, comme ça, on sera pas de langue de bois pour ceux qui regardent la vidéo. On en parlait tout à l'heure à table. C'est vrai que les gens ont tendance à rester un petit peu bloqués sur une image. Alors, au bout de 3 ans, c'est vrai que je pense ne plus trop avoir cette image, la fameuse image Starac, parce que je la renie pas et parce que ça a été un tremplin génial aussi. Mais c'est vrai que ce soit les formations de chant, les formations de musique, le conservatoire, toutes ces choses-là, ça a été bien plus long que la Star Academy. Les gens ne mettent pas le doigt dessus en général. Dans la carrière que tu fais maintenant, donc plus dans l'électro, DJing, est-ce que la Starac t'a apporté réellement quelque chose? Écoute, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu dis à l'étranger, par exemple en Amérique, I want the French pop idol, quand tu dis que tu as gagné la pop idol française, c'est l'émission, c'est la Starac chez eux, ils sont tous, c'est exceptionnel, pour eux c'est exceptionnel, ceux qui gagnent là-bas, c'est Robbie Williams, quoi. Donc il y a une crédibilité qu'on n'a peut-être pas, c'est très français aussi de critiquer, on aime bien, même en Suisse ça se passe pas comme ça, il y a un accueil génial en Suisse, même en Allemagne quand on voit l'émission de Deutsche sur des superstars, ça se passe vachement bien. Et puis en France, il y a des millions et des millions et des millions de gens, il y en a presque 11 millions qui votent pour qu'un candidat gagne, et au final le candidat va vendre 300 000 CD par exemple, il va être disque d'or et ça va être génial, mais 300 000 par rapport à 11 millions, tu te dis c'est dingue quoi. Donc les gens sont plus là presque pour le côté de la réalité, réellement pour la musique. C'est peut-être un peu le truc qui a tendance à être gênant, je crois. Là, je vais ta tournée européenne. Comment ça s'est passé? C'est complètement dingue. On a terminé deux tournées en fait. Une tournée qui s'appelle Exhibition par rapport au dernier album, et puis une tournée en club entre l'Espagne, la Suisse, la Belgique, la France, un peu partout. Et là, on attaque une nouvelle tournée. Enfin, pour répondre à ta question, pardon, c'est exceptionnel, c'est génial de pouvoir voyager, de pouvoir s'exporter, parce que c'est au final pour un DJ le but ultime, et de découvrir d'autres pays, de découvrir d'autres publics qui ne te connaissent pas forcément. Quand tu te retrouves en Espagne, les gens ne sont pas là pour toi, ils sont là pour s'éclater. Et puis, c'est un nouveau défi à chaque fois d'essayer de conquérir un nouveau public et d'essayer de partager, parce que c'est surtout ça, pour moi en tout cas, ma vision de la musique et de l'électro surtout, c'est de pouvoir partager et s'éclater avec les gens. Après, là, on commence une nouvelle tournée qui s'appelle Change Your Mind.
à travers tous les gros pays. On commence par le Queen à Paris, après on va passer en Allemagne, en Belgique aussi, et puis dans d'autres pays. Alors ce soir tu mixes au Paraclub de Neuchâtel, quel est ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu aimerais faire passer au clubbeur neuchâtelois? Mon état d'esprit est chauvin, complet. Ouais, chauvin, non, mais bah, excité, c'est la troisième fois que je viens monsieur l'organisateur de soirée. C'est la troisième, ouais, c'est la troisième édition. C'est lui qui l'a dit, il est là-bas. Dis coucou. C'est la troisième fois que je viens au Para et c'est à chaque fois un plaisir. Ça fait partie de mes clubs un petit peu fétiches en Suisse avec le MAD, avec les organisations comme le Sundance ou le 31 à Montreux. C'était vraiment des bons petits clubs où je m'éclate vraiment pendant 2 heures. Puis en plus, je suis à côté de copains comme Jerry Jocks qui tourne bien, donc c'est toujours un plaisir. Que la house vous bénisse. À très vite sur les fleurs. Oh, 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 oh